Papa, la pluie! Pour les fleurs d'églantier, il faut être très doux, sinon on se pique. L'églantier, c'est vraiment une plante que j'aime bien. Parce que on peut récupérer les pétales. J'ai envie de faire une tisane féminine. Alors, je ne vais pas l'appeler la féminine parce que j'ai déjà fait une tisane féminine. Mais j'ai envie de faire une tisane à la rose. Et je sais pas quoi. Je sais pas ce que je vais mettre avec. Et j'aime bien cette plante parce que il y a les bétinorodons qui sont vraiment riches en vitamine C et qu'on peut grignoter avant ou après les gelées. Alors avant les gelées, la peau est un peu dure et là on sent vraiment l'acidité. Après les gelées, j'aime moins, ça fait plus compote. C'est généralement là qu'on l'accueille pour les confitures ou les sirops. L'églantier avec ses épines. C'est fou parce qu'elle a une tige très robuste, épineuse, et des fleurs si fragiles qu'il faut vraiment avoir une délicatesse pour éviter ses épines et arriver à accueillir ses pétales. On peut trouver la robusté et la délicatesse, la fragilité dans une même plante. T'es heureux, toi? T'es heureux, mon chien? T'es heureux? Allez, viens. On n'a pas fini. Viens, mon Pookie. Il est où le sureau, Puck? Il est où le sureau? C'est vraiment l'arbuste des insectes qui copulent, quoi. Bon, bah, tu es plus. A pas trop aimé l'hiver, mais apparemment il adore le printemps. Ouais, 3 mois et demi. 3 mois et demi. 3 mois et demi. Les géants des Flandres. Et on en a des autres des 3 mois et demi, à peu près pour comparer. Ils ont des grandes oreilles. Hein. Et ceux-là, ils ont 2 mois et demi, quoi. Il y a quand même une sacrée différence, non? Il y a une énorme différence. Les filles! Moi, je suis très fière. Vous êtes tout petits, vous! Mangez le trèfle pour grossir. Allez, mange. Donc là, il y a une rex de 2 mois et demi et un géant des Flandres de 3 mois et demi. Il y a une sacrée différence. Vite, 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 enlève-la. Hop. C'est votre papa et peut-être votre maman. Bah oui. Alors, ça c'est peut-être votre autre maman.
Je viens voir s'il y a des œufs. Oh, bah ils sont pas bien propres ces œufs. Il va falloir remettre de la paille. Ah oui. T'as des œufs en dessous? Non, t'as rien du tout. Et toi? T'as rien du tout, mais vous êtes couchés en fait. Et toi? T'as des œufs? Ah ah ah! Excuse-moi, je te les prends. Demain, vous aurez un poulailler tout propre. Eh ben, il n'y a pas beaucoup d'œufs, là. Ils me les ont pondus où? Je sais pas si c'est une poule. Mais c'est la poule. Mais non, mais c'est... C'est pas... lui qui n'est pas de race. Tu vois? C'est de nos œufs. Mais c'est son truc qui est séché sur la peau. Faut lui tirer sur les poils. Ça. Mais non, mais c'est pas grave, je vais vite, ça va s'enlever. La poule. Un paysage assise au bord de l'herbe attend patiemment que le laitier vienne. Un paysage attend. Les pierres assises au bord du pays attendent patiemment que le laitier vienne. Les roues du Renault que le laitier conduit les pousseront à rejoindre le ruisseau où elles s'égrènent. Assis sur telle, assis au creux de l'eau, les roches patientent. Un enfant doux, aux pattes si mobiles et assis au bord des roches, attend craintivement que le laitier vienne. Le moteur du Renault le fera bondir. Un enfant doux, aux pattes prêtes, s'amuse de voir son pays danser. Puis il y a les groupes qui s'amassent sur les places lorsque résonne contre les murs de pierre des chapelles tristes l'appel du Renault, du Peugeot ou du Citroën. Ils se réduisent. Devant les portails fermés et les pas fatigués, on n'attend plus le laitier. Mais l'épicier, pour avoir des yaourts, du pain et du sucre dans la même livraison, les pas fatigués et réduits, patientent. Une vieille assise au bord du pont, au bord de la place, dit « Tiens, c'est un Mercedes, il a dû en changer récemment. » Assis au bord du pays, l'enfant doux, l'écoute ululée de ces cris animaux qu'il ne comprend pas. Il attend craintivement que prévienne le métal des commerçants de passage et qui, poussant dans les ruisseaux les roches à ouvrir, disent au pays qu'il n'est plus temps de s'en s'agir. Bon, je vais vider un petit peu. Je vais la
Ouais.